Salut à toi Yamak Tracer Freerunner, c'est Mehdi. Aujourd'hui on est à Évry et on va voir une des techniques les plus basiques, le saut de précision. On va d'abord voir comment te lancer, comment atterrir tout en sécurité. Puis petit à petit on va progresser en voyant les sauts de précision sur les murs et sur les barres. La base de la base, ça va être de savoir t'élancer et surtout de savoir atterrir pour pouvoir durer dans le temps. Pour commencer, tu vas déjà apprendre à bien partir en pliant les genoux, te déséquilibrer vers l'avant et envoyer tes bras le plus fort possible. L'atterrissage va s'effectuer sur l'avant des pieds et surtout on va plier les genoux pour permettre aux muscles de bien amortir le choc. Si le choc est trop violent, il faudra que tu fasses une roulade, mais ça on verra ça plus tard. Ok, après avoir vu les bases avec Mehdi, maintenant on passe aux choses sérieuses entre deux murets. Ça va te forcer à être vraiment précis sur l'atterrissage. Donc n'oublie pas, ramène bien tes deux pieds, atterris bien sur la pointe des pieds et plie les genoux et garde le dos droit. Aussi, l'avantage de le faire entre deux murets, c'est que tu vas pouvoir t'aider du rebord pour pousser au début. Démonstration. Un atterrissage contrôlé, je tiens au moins 3 secondes dessus. Maintenant, si tu veux augmenter la difficulté, tu peux essayer de partir à un seul pied et essayer d'atterrir sur une surface un tout petit peu plus fine. Et le niveau supérieur, c'est le saut détente. Donc là, on va prendre de l'élan pour pousser à un pied et aller chercher le plus loin possible. Ne néglige pas tes bras sur le saut, vraiment important. Envoie bien les bras vers l'avant avec ta jambe. Après avoir fait le saut de précision sur un mur, ton objectif, ça va être de rendre la chose un petit peu plus difficile et commencer à faire des sauts de précision sur des barres. La difficulté ici, ça va être que ton point d'atterrissage est beaucoup plus petit, donc tu as moins le droit à l'erreur. Attention à bien poser le milieu du pied et ne pas atterrir sur les talons. Arriver sur les talons sur une barre, c'est une très mauvaise idée. Tu peux très rapidement glisser et ça peut mal se passer. Avant de te lancer, assure-toi de bien trouver l'équilibre sur la barre. Et une fois que tu es bien à l'aise, c'est comme la dernière fois. Même chose, faut que tu trouves ton équilibre à l'arrivée.